Bonjour, aujourd'hui on va regarder la deuxième partie de la fabrication de la table de Mortaisol. Alors je répète, c'est un faux réfrigoir de diamètre 8 mm pour pouvoir y insérer les inserts noyés. Ce qui permettra de fixer tout ce qui est butée de table, sauterelle et support de défonceuse. Ici on peut bien voir le support de réglage en hauteur de la hauteur de fraise. Mise en place de la poignée pour la table XY. Puis je mets toutes les vis molletées en M6 pour fixer tout ce qui est buté, support de table. Alors le réglage de la fleureuse, de la profondeur de mortier se fait directement sur la fleureuse avec la vis de réglage qu'il y a sur le support. Donc on va pouvoir faire un premier essai. Alors sur la défonceuse, j'ai monté une fraise en carbure monobloc de chez CMT Orange. C'est une fraise qui fait 90 mm de longueur. Et là on peut voir que ça fonctionne plutôt pas mal. Même la petite fleureuse n'a pas de mal à travailler. Le résultat est très propre. On voit que la mortaise est bien parallèle, il n'y a pas de décalage. Ici un petit test de mortaisage en bois de boue, c'est pareil, pas de difficulté, ça rentre bien. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié cette réalisation.
Le plan est disponible dans la description. À bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.